Bah alors du coup, je vais parler un petit peu de A Guy and His Hero, qui est le jeu qu'on a développé avec mes 6 autres collègues, dont quelques-uns sont présents ici dans les coulisses. Donc c'est une expérience vidéoludique en VR qui pourrait s'apparenter un peu à un mix entre un puzzle game et un god game. Ça tourne donc sur PC avec un HTC Vive, qui est donc un casque de VR de HTC. Et c'est un projet donc qu'on a fait en 3 mois et demi à peu près dans le cadre de l'Engine, qui est le CNAM Engine, donc une école de jeux vidéo publique française à Angoulême. Donc là on est en deuxième année, ce qui est grosso modo la raison pour laquelle on continue pas pour l'instant ce projet, parce qu'on fait passer nos études en priorité. Mais malgré ça, on l'a présenté à plusieurs concours, notamment les It's Playtime en 2017 qu'on a gagné, donc on a remporté le Grand Prix. Et on a été sélectionné à plusieurs autres concours. Donc voilà, malgré le fait qu'on continue pas dans l'immédiat à le développer, on envisage quand même de participer à de nombreux autres événements, notamment celui-ci où on a eu l'opportunité de venir présenter donc à NDK d'Europe notre jeu. Et on verra ce que la suite nous réserve. Hein. Si on reçoit vraiment bon public pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on a des propositions sérieuses pour nous motiver nous-mêmes ou trouver d'autres gens pour continuer à le développer pour nous, il est probable qu'on se laisse tenter. Mais voilà, en tout cas on est super content d'être là aujourd'hui et c'est vraiment sympa de voir pas mal de gens qui sont assez amateurs de jeux indépendants qui viennent tester notre jeu et qui prennent du plaisir, qui nous font des retours, c'est vraiment super chouette.